Ce qu'elle aime est l'homme, et sa croix, et sa voix. Je suis parti loin de toi, Siri. À qui ce qu'elle aime est l'homme? Hey, y a du monde ici t'asseoir? Ben oui, on s'attendait pas à être si bien reçu. Eh, maudit. Hey, je te dis qu'il y en arrive des affaires dans le monde, ouais. Ben oui, t'as l'air à philosopher, toi. Hey, je suis parti là-dessus, voilà, là. Ben oui. Hey, je te garde, là, m'entends-tu? Ben, je suis pas sûr. C'est que t'étais, toi, matin? Chez le coiffeur. Oh, boy, c'était fermé? Ah! Merci. Un autre demain, tu perds ta job. Arrête donc, oui. C'est un type qui s'en va à chasse au canard, comprends-tu? Un type d'une quarantaine d'années, cheveux, sel et poivre, une queue de cheval en arrière. Mais innocent, toi! Tu le canard, arrache le poil du canard, pitche le canard. Le garde de chasse arrive, il dit, « Hey, tu fais que du poil de canard dans les mains, toi, t'as pas le droit de chercher le canard, type. » Il fait, « Non, je le sache pas, il est parti baigner, il m'a demandé de garder son linge. » Oh boy! Merci. Merci. Ah, y'en arrive-tu des affaires dans le monde? Ben oui, t'as l'air inquiète, ah, ça va mal, ça va mal. Un gros accident d'avion, toi. 200 morts! 200 morts! 200 morts! L'avion s'est écrasé. Ben non, le film était tellement plate que le monde sortait avant la fin. Ah! Merci! Tu sais que la femme bricole de nos jours? Bon, moi, j'ai rien contre ça. Tant qu'elle reste chez eux. Non! Ah! J'arrive chez le plombier l'autre jour, un type d'une quarantaine d'années, cheveux sel et poivre avec une queue de cheval en arrière. Mais innocent! J'ai dit, as-tu ça, toi, un raccord pour le robinet? Un raccord pour le robinet? Ouais. Il me dit, mâle ou femelle? Je dis, ben, je veux pas les accoupler, je veux juste la réparer. Merci. Hey, c'est un type, une fois, s'en va chez le médecin, quarantaine d'années, cheveux sel et poivre avec une queue en arrière. Mais innocent! Il dit au médecin, vraiment ça que le pénis me touche à terre, moi. Le pénis te touche à terre? Ouais. Eh, monsieur. Le médecin, il a coupé deux jambes. Ah, oh, boy! Merci! Parlant de jambes, toi. C'est un gars qui se ramasse dans la jungle, m'entends-tu, puis il se ramasse avec un troupeau de cannibales. Un troupeau de cannibales. Un troupeau de cannibales. Fait que le chef des cannibales, il dit, toi, si tu veux sortir du site, il y a trois conditions. Et premièrement, il faut que tu boives un 40 onces d'alcool. Un 40 onces. Deuxièmement, il faut que tu ailles dans la cage là-bas puis que tu attaches les dents du lion. Là-bas. Et puis troisièmement, il faut que tu couches avec la plus vieille du village. Ah, le maudit cochon. Ah, le maudit cochon. Il boit une 40 onces de gin, m'entends-tu? Il dit, OK, je suis prêt. Il est prêt. Il rentre dans la cage. Je suis le dos sur le ventre, une pièce et 40, m'entends-tu? Une demi-heure après, il sort, il dit, OK, où est-ce qu'elle est, la vieille, comme elle a aux dents? Un homme pis un galon de peinture, toi. Non, je le sais pas. Non, faut tes bras parce que toi et deux, ils deviennent épais. Sais-tu pourquoi il a envoyé une femme dans l'espace? Non. Parce que ça pèse moins qu'un lave-vaisselle. Oh, mon écœur. Le lave-vaisselle... Ah oui! Sais-tu pourquoi qu'un homme porte une cravate, toi? Non, je le sais pas. Parce que... ça serait trop gênant de se promener qu'une laisse. Oh, ben! Sais-tu pourquoi ils ont pris une femme pour faire la Statue de la Liberté? Non. Parce que ça prenait une tête vide pour faire le restaurant. Oh, mon Dieu! Sais-tu comment est-ce qu'on appelle ça un bouton sur une fesse d'homme? Non, je sais pas. Un tumeur au cerveau. Ah, oh, merci. Là, on s'aime plus pantoute, pantoute. Là, on s'aime plus pantoute. Les amis, au revoir, les merci. Là, on s'aime plus pantoute. Là, on s'aime plus pantoute, pantoute. Là, on s'aime plus pantoute. Les amis, au revoir, les merci. Là,
C'était Frankie.